Bonjour, alors comment trouver des explications pour les règles de grammaire, par exemple, si on a un petit doute ou si on bloque sur un point de grammaire? Aujourd'hui, on me pose la question, bah, tiens, est-ce que Cédric, tu aurais un livre de grammaire à conseiller, une espèce de Becherel en chinois pour bien éviter de faire des fautes? Alors bien évidemment, j'insiste beaucoup sur la pratique, etc., pour ancrer les règles et les automatismes dans le cerveau, mais parfois ça fait du bien effectivement d'avoir, eh bien, noir sur blanc, des explications sur la grammaire, surtout pour les concepts de base, lorsque donc on commence à se lancer. Alors comment est-ce que je fonctionne, moi, dans ce genre de situation? Eh bien, je n'ai jamais utilisé un Becherel ou un livre de grammaire, j'ai jamais vraiment eu de cours de grammaire. Mais parfois, donc je me basais surtout par les exemples. Et dans l'enseignement que j'avais reçu, c'était aussi sur les exemples et la pratique. Enfin bon, comme je vous expliquais donc dans les précédentes vidéos. Alors, moi, par contre, parfois, bah, j'avais quelques doutes. Par exemple, quand est-ce qu'on va utiliser le? Parce que quoi? Quoi, ça nous permet d'exprimer, eh bien, le passé. Et on sait que le, la particule le, je vais vous les mettre ici par exemple. Je vais faire un petit zoom. Donc quoi pour expliquer une action passée et là pour exprimer donc aussi là une action passée. Quelle est la différence? Eh bien, c'est là où on est bloqué. Alors bien évidemment, on a le qui est un changement d'état. Alors lorsqu'on a un changement d'état, par exemple j'ai faim, je suis malade, etc. Là c'est facile, on sait ce qu'on va utiliser. Par contre, si on veut exprimer donc le passé, en l'occurrence, on est peut-être un petit peu bloqué. Lequel je vais utiliser pour exprimer cette idée que je veux exprimer dans ma phrase d'aujourd'hui, par exemple. Eh bien, comment est-ce que je procède dans ce genre de situation? Eh bien, c'est fantastique parce que sur Internet, on a plein de ressources. Eh bien non, je vais juste utiliser Google. Pourquoi aller acheter un livre de grammaire qui sera même pas forcément pédagogique ni utile, ou bien pas fourni d'exemple, ou bien avec personne pour vous soutenir ensuite? Alors que sur Internet, on peut trouver, eh bien, énormément de ressources. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape ça dans Google. Voilà. Et puis, on va trouver un petit peu les différences, eh bien, qui vont être expliquées. Alors, le problème qu'on a ici, bon, je suis sur Google Hong Kong, mais c'est pas grave, on va faire ça sur Google France, ça sera pareil. C'est que en français, on trouve pas énormément de ressources sur les langues. On trouve pas énormément de ressources sur rien d'ailleurs. Alors, hop là, il me donne un lien YouTube avec ça, on va couper le son, voilà, tant pis, qui vous dit donc les différences entre le et quoi. Bon, ça, j'avais complètement oublié que j'avais fait cette vidéo. Mais bon, en français, on trouve pas beaucoup de choses sur le chinois, sur l'apprentissage des langues, sur le marketing, sur la création d'entreprise, sur comment faire un beau jardin, sur les astuces pour lutter contre, je sais pas quoi, le voile de vendre, n'importe quoi. On trouve pas beaucoup de ressources, on a beaucoup de retard dans la construction de nos pages web et de nos ressources en anglais par rapport au, en français, pardon, par rapport au monde anglophone. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Eh bien, si vous parlez anglais, eh bien, vous allez sur Google Angleterre ou Google USA ou Google.com, quoi. Vous mettez la version anglaise, voilà, sur les pages en anglais, et vous refaites votre recherche. Et alors là, c'est la révélation. Regardez. Est-ce que quelqu'un peut expliquer la différence entre l'utilisation de le et quoi? Les aspects, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas ici, regardez. Quelle est la différence entre verbe plus le et verbe plus quoi pour exprimer le passé? Différence entre le quoi. Vous voyez, on a déjà 4, 5 sites là, etc., etc. Et après, ça continue. Quelles sont les différences? Regardez ici, le quoi, ici, what are the differences? Quelles sont les différences? Donc, si vous parlez un petit peu anglais, vous allez trouver sur le monde anglophone énormément de ressources que vous pouvez exploiter. Alors pourquoi est-ce que je vous recommande ça plus qu'un livre de grammaire, outre ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur ça aussi, sur ce genre de site? On en a certains qui sont des wikis, donc qui sont communautaires et qui sont, eh bien, analysés et retravaillés pour être le plus clair possible et présentés donc au plus grand nombre. On en a qui sont aussi sous la forme de forums. Et alors là, c'est génial aussi parce que les gens, ils arrivent, ils interviennent et ils posent leurs questions si c'est toujours pas assez clair. Et ils donnent des exemples et d'autres exemples et des réflexions sur l'utilisation. Et c'est très très enrichissant du coup, plutôt qu'un livre qui vous donne juste un point de vue. Et puis si vous comprenez pas, tant pis pour vous, voilà. Plutôt qu'une vidéo où vous pouvez contacter l'auteur, plutôt qu'un article où vous laissez un commentaire, etc. Donc vraiment génial. Si vous avez des questions sur la grammaire, ou même sur beaucoup de choses d'ailleurs, hein, eh bien n'hésitez pas à les poser à Google, hein, Google est votre ami, donc sur le monde anglophone, très très important. Posez vos questions donc en anglais, enfin vos mots-clés en tout cas en anglais. Voilà comment est-ce que j'ai fait moi, en tout cas, pour tous mes apprentissages de langue. Je déteste la grammaire.
Vraiment, la grammaire, c'est quelque chose que je déteste. Et je peux vous dire que pour l'allemand, c'était juste horrible en son temps. Et je n'ai jamais ouvert un Becherel en français, peut-être quand on était obligé, quoi, au lycée sûrement. Mais dans toutes les langues que je peux apprendre et que j'ai apprises, eh bien jamais, 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 je n'ai travaillé la grammaire comme certains vous l'enseigneraient ou comme certains l'apprennent. C'est vraiment pas ma passion, c'est quelque chose de juste horrible. On apprend juste les bases. Si on a un doute, eh bien, on le recherche avec des explications par l'exemple ou des explications, eh bien, par l'étymologie ou des explications, enfin, quelque chose qui a du sens, quoi. Pas juste quelque chose d'abstrait. Voilà, vous avez la règle et puis c'est comme ça. Ça, c'est beaucoup plus enrichissant. Bien évidemment, on apprend mieux de cette manière et on retient mieux, encore une fois, de cette manière. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait du sens. Voilà. Donc, comment est-ce que je procède? Et puis, vous pouvez regarder un petit exemple, hein. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, bien évidemment, sur le cas du le, du cours, pardon. En l'occurrence, mais eh bien, vous pouvez bien regarder aussi ce qui se passe sur le monde anglais, bien évidemment. Voilà. Là, vous voyez, donc ici c'est sur le mode forum, et vous avez bien évidemment des sinisants, des sinophiles qui interviennent, mais aussi des chinois qui viennent rajouter aussi leur avis. Voilà, par exemple, ici c'est très clair. Ça, c'est très très clair. Une action qui est arrivée dans le passé et qui est complétée alors que le est utilisé donc à la fin d'une phrase. Et indique là une action qui n'est pas forcément complétée. Donc l'idée, le point de vue qui va être exprimé, donc avec l'utilisation du quoi ou du le, n'est pas la même. Voilà. Donc par exemple, hein, vous pouvez bien évidemment chercher par vous-même ensuite ce qui vous intéressera. Voilà pour ce petit point. Ça me paraissait vraiment important de vous présenter un petit peu comment est-ce que je fonctionne pour la grammaire que, je le répète encore une fois, je déteste. À très bientôt.